La lumière, c'est bon, on en a besoin pour nos rythmes circadiens, les rythmes veille-sommeil. Mais c'est aussi très toxique, au point d'accélérer des pathologies, ou du moins leur développement, comme la dégénérescence maculaire myalgique. Avant l'été, on fera le point avec Elisabeth Quint, le 20 juin à 17h30 sur la Web TV de l'Institut de la Vision.